Nous sommes un laboratoire familial italien, Chiesi, et c'est un laboratoire qui évolue essentiellement dans le domaine respiratoire. Dans ce cadre-là, nous avons voulu travailler de longue date avec les associations de patients, avec également les sociétés savantes dans le domaine respiratoire, afin de faire en sorte que la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, devienne un vrai sujet de santé publique. Elle touche aujourd'hui 3 millions de patients. On sait qu'il y a une sous-évaluation des traitements et donc nous souhaitons mettre en œuvre et nous avons souhaité réunir tous les intervenants pour faire en sorte que remonte cette priorité auprès du ministère et des intervenants. Bien sûr, c'est un engagement pérenne dans le temps et c'est un combat que nous allons continuer dans les années à venir. Le deuxième engagement, il est propre à notre présence en France. Nous avons une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur en France, en R&D, en commercialisation et en production. Et dans le cas de cette production, nous avons annoncé lors de la COP25 à Madrid que nous allions développer une production de nos sprays avec un nouveau gaz qui va être un gaz, ce qu'on appelle un green gaz, donc qui va diminuer de 90% l'empreinte carbone, qui va donc être quasiment nulle, ce qui va permettre aux patients de pouvoir toujours bénéficier de nos traitements tout en ayant un impact carbone qui soit extrêmement limité. Et ceci se fera sur le territoire français, à Blois. Je tiens à préciser que c'est un investissement total de 350 millions d'euros, dont 50 millions pour l'extension de l'usine de Blois. Alors, nous avons reçu le label B Corp. Le label B Corp, B comme bénéfit, c'est une évaluation de nos pratiques sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan environnemental, bien sûr, mais pas uniquement, sur le plan social, sur le plan sociétal. C'est un process que nous avons fait en 2 ans. Nous avons obtenu le label B Corp au niveau de l'entreprise Chiesi, donc du groupe Chiesi. Donc c'est pour l'ensemble des filiales. Évidemment, chaque filiale doit être à niveau pour pouvoir avoir ce label. Ça nous a permis de pouvoir challenger nos pratiques afin d'avoir un vrai lien entre nos pratiques, on va dire, commerciales et toutes nos pratiques environnementales et de faire en sorte qu'elles soient interdépendantes et qu'on travaille sur le lien entre tout ce que nous faisons et l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement et sur la société. Nous sommes très fiers d'être le plus grand laboratoire pharmaceutique mondial à obtenir ce label et nous espérons que d'autres nous suivront.